Bah, dans sa chambre ou dans la chambre d'Adriana. In your mind against me. Bye bye. Un petit face cam là pendant que je suis en voiture, c'est un peu le seul moment là que je trouve en ce moment pour pouvoir vous parler. Et du coup je voulais faire un peu un update sur Adriana par rapport à la nuit. En fait ça fait trois nuits de suite que je dors quasiment pas parce qu'Adriana elle fait des phases d'éveil, donc elle pleure pas, donc elle a pas forcément d'inconfort, mais elle est en phase d'éveil et donc elle se réveille entre 1 h à 2 h. Mais ça, plusieurs fois dans la nuit, donc 1 h à 2 h. Elle se rendort en 1 h, donc il me faut 1 h pour la rendormir. Donc ça fait déjà 3 heures sans dormir, peut-être fois 2, parce que du coup elle me le fait entre... Je dirais que c'est entre minuit et 6 heures du matin. Donc entre minuit et 6 heures du matin, je fais ça bien 2-3 fois. Et après elle redort 1 h, 1 h et demie. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Alors je pense pas qu'elle confond. Du coup, voilà, je suis juste KO. En plus, je vais être indisposée. Du coup, je suis deux fois plus fatiguée. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu la suite de la continuité de ce qu'on a vécu avec Georgia. Et pour celles et ceux qui me demandent, parce que j'ai reçu des messages qui me demandaient pourquoi Pagan ne faisait pas les nuits, et bien, figurez-vous que Georgia ne dort toujours pas. Elle a 18 mois et c'est toujours aussi catastrophique ses nuits. Donc en fait, on est obligé de disperser. Il y a Paga qui gère Georgia, moi qui gère Adriana la nuit. Et en vrai, je ne vais pas vous cacher que Paga, il est tout autant KO que moi parce que il dort pas non plus. Donc voilà, on a les deux petites en ce moment qui ne dorment pas. Et on espère vraiment que ça va rentrer dans l'ordre. Alors pour Georgia, on n'a plus vraiment d'espoir parce qu'elle a 18 mois. Donc on se dit, au point où on en est... Voilà, mais Adriana, je mise encore un peu dessus parce que elle a toujours bien dormi depuis sa naissance, donc je me dis c'est peut-être une période à voir. D'ailleurs, on a mis avec Georgia en suspens Cooking with Gigi parce que Georgia elle est en train de percer encore des dents, donc c'est juste qu'elle est vraiment pas en forme et elle est pas au top. Donc voilà, c'est pas trop le moment que je pense pour lui faire de la cuisine là. Je pense qu'elle va juste m'envoyer le saladier dans la tronche si je la mets au fourneau. Donc voilà, on met en suspens Cooking with Gigi, mais sachez que j'ai vraiment hâte que Georgia aille mieux, déjà pour pour le bien-être de nos oreilles et de notre patience. Mais j'ai aussi hâte qu'elle aille mieux pour pouvoir retourner quelques épisodes parce qu'on prend vraiment du plaisir à le faire, autant elle que moi. Et je sais que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc voilà, juste pour vous mettre un petit peu au courant sur ça aussi. Après, la vérité, comme je dis à Paga, on va pas se plaindre. Parce qu'on a quand même la chance de se dire qu'on travaille de la maison et que si on a envie de dormir un peu, on peut dormir un peu. Je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent et qui vivent des nuits comme nous, catastrophiques, et qui pour autant doivent se lever à 7 h du mat pour enchaîner des journées de boulot hyper intenses. Et franchement, j'ai pas d'autre mot, les mams, que de vous dire mes chapeaux, parce que ce que je vis en termes de sommeil, sans pour autant avoir... j'ai un boulot, je taffe, mais je taffe à la maison et j'ai la chance de me dire que si j'ai envie de faire une sieste, je peux faire une sieste. Je sais qu'il y a plein de mamans qui ne sont pas dans ce cas-là et franchement, dans ce genre de moment, je pense à vous et je relativise de dingue parce que il faut se dire que dans notre malheur, on a quand même un peu de chance. Aïe, je peux pas me la voir. C'est parti la famille, de la bombe. Voilà mon petit sport chez moi pendant 20 minutes. En électro. Ça c'est le vrai jus. Je
trop fier de mon innovation, de mon concept. Ah, c'est parti. Voilà, dans sa cabane. C'est bien là. Oh. C'est trop bien ce que tu lui as fait là. Ça tue. Oui. Oh. Boum. Boum. Allez, mets-lui la serviette. Ouais, bravo.